Alors, les consignes et les messages. Comme on a vu tout à l'heure, soit le moniteur va donner les consignes oralement, et dans ce cas-là, chaque cavalier est responsable de faire passer les messages jusqu'au dernier, que le dernier de la file entende bien les consignes. Ou alors on va fonctionner par gestuelle. Et dans ce cas-là, même chose, les cavaliers font tour à tour la gestuelle afin que le dernier soit au courant, par exemple, d'un changement d'allure ou d'une consigne diverse. Ensuite, donc, quand vous êtes en extérieur, ne pas prendre l'initiative de descendre si le moniteur ne vous a pas autorisé. Bien attendre que le moniteur vous dise « on met pied à terre ». Ça peut être dangereux si vous vous retrouvez seul à terre au milieu du groupe de cavaliers qui est encore à cheval. Si vous êtes loin du groupe, ne prenez pas l'initiative de rattraper dans une allure un petit peu vive. Demandez soit au groupe de vous attendre, soit l'autorisation de rattraper tranquillement au petit trot.